Ai, Camboa não chora, só o golpe. Só vale quem tem, Camboa estás a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o golpe. Só vale quem tem, Camboa estás a sofrer. O cão da Nguimbi foi convocado, ele come muito. Putain, ça tire à mort! C'est possible! Tu vas voir mes fesses! J'ai oublié d'attacher mon truc! 4 nœuds. Intenable! Ai, Camboa não chora, só o golpe. Só vale quem tem, Camboa estás a sofrer. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo. No meio do entulho, é no Museque. Dans la pétole, au Roques. Très chaud. Ai, Camboa não chora, só o golpe. Só vale quem tem. Attention, Marie va hisser les couleurs. Ça y est, c'est parti. Nous hissons les couleurs du Venezuela. Ai, Camboa não chora, só o golpe. Só vale quem tem, Camboa estás a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o golpe. Só vale quem tem, Camboa estás a sofrer. Passante na rua, até que tarde, na perseguição. Ai, Camboa não chora, só o golpe. Só vale quem tem, Camboa estás a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o golpe. Só vale quem tem, Camboa estás a sofrer. O cão do quem, muito mimado, e come bem, olha, é bem tratado. O cão de quem, muito mimado. Ah, je suis en présence de deux éminents plongeurs, Jean-François Houdekerk et Marie, qui est déjà partie en plongée. Merci beaucoup pour cette explication, cher Jean-François. Perto daí, Camboa sauvado, robot vidéo. C'est pas par là qu'on est passé hier. Je pense que ça passe, hein, 18 mètres. Mais. Il y a peut-être ouais. Nous sommes ici. Dans un mouillage paradisiaque à l'archipel de Los Roques au Venezuela. Et nous avons ici Marie sur une île perdue. Et bien sûr JF. Magnifique sur son kite. Regardez cette vitesse, cette aisance. On dirait qu'il fait corps avec la vague, corps avec le vent. Magnifique. Misturando toda a gente mesmo chão. Arrebita da macemba cada seja qual for a patente cidadão. Caso cuta cabetula culungunzum, tem semba que lá paga no salão. Povo fervoroso em conservar. Nous avons ici François Xavier, dit FX Franck Zaboul, éleveur d'insectes, l'homme à l'oreille percée, qui après un long apprentissage et fastidieux commence à tirer ses premiers bords. Nous le voyons ici partir, il part, magnifique, magnifique, magnifique. Oh, de casa, vai pra rua, vai na pele. É Luanda que tem tudo pra espender. Agora! Cidral invejado, olha maiado, 14 pares, carripana do Beuau, 1 de maio.
de Luanda tem maneira. Uma era conturbada já passou. Cada canto requisitos de donzela. Qu'est-ce que vous préparez? Préparons des oignons. Pommes de terre et des oignons. Nous allons faire un gratin de l'os roquesse. Qui est proche du gratin dauphinois. Enfin, mais qui n'est pas le gratin dauphinois. La nuance, cher JF, c'est qu'on va utiliser une béchamel. Une béchamel, messieurs. Oui, messieurs, je sais que ça peut vous choquer. Il y en a que ça choque. Mais on va utiliser le béchamel. On va également y ajouter des oignons et des échalotes. Quel type de fromage allez-vous utiliser? Alors, nous allons utiliser un fromage typique de la région. Que nous appelons le cheddar. Oui, mais c'est encore. C'est du cheddar encore. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et d'où... Non, d'où vient-il? De la région, ça j'y crois pas. De la Nouvelle-Zélande. Voilà. Je pense. Voilà, bon, de la région. Région du monde. Et dans notre sauce béchamel, quelle épice allons-nous mettre? C'est évident, personne ne veut répondre parce que c'est évident. C'est évident, c'était même pas une question. C'était même pas une question, c'est une question rhétorique. Nous allons mettre de la noix de muscade. Est-ce qu'elle vient de Grenade? Parce que savez-vous, oui monsieur, elle va venir de Grenade parce qu'on va prendre cette épice. Grenade. Ah oui, t'en as acheté en FX, j'en ai acheté. Grenade, le plus grand producteur. Le second plus grand producteur. Le second, excusez-moi. Noix de muscade au monde, alors que c'est une toute petite île. Qui est le premier? Le premier, c'est évidemment l'île de Hanham. Qui se situe entre latitude de 22 et un peu plus à côté. Merci pour ces informations. Waouh.